les arts des murailles utilisent principalement des habitats minéraux, comme des bâtiments, des rochers, ou alors des habitats naturels comme des rondins de bois. Cette espèce est principalement endurante. Il va se nourrir d'une multitude d'insectes, sans distinction. C'est une espèce effectivement qui va hiberner entre le mois de novembre et le mois de mars. C'est une espèce qui va vivre seule. Il peut également vivre avec son partenaire pour la reproduction pendant les mois de reproduction. C'est une espèce qui n'est pas menacée, mais qui reste fragile dans les habitats urbains où la biomasse en insectes est en nette diminution, ce qui impacte la présence du lézard puisqu'il ne trouve plus de quoi s'alimenter. Garder dans son jardin par exemple du bois ou des pierres au soleil, ainsi que des petits habitats herbeux où il pourra trouver de quoi s'alimenter. Il est aisément observable la journée au soleil, avec un beau ciel bleu sur les rochers et les bouts de bois. Il sera observable de mars jusqu'à novembre.